Vous avez filmé l'hôtel de ville? Pas encore. On y va parce qu'on est sur la route. Il fallait mieux. Mais on va y aller. Terminer. Ah oui. Avec la mairie. Mm-hmm. Parce que moi, je ne suis plus maire. Il y a un maire là-bas. Mm-hmm. Bon, après les. Nous avons. J'ai obtenu la mairie et l'auberge. Moi, j'ai appelé ça centre d'hébergement municipal. J'aime pas le terme auberge. J'aime pas ça. C'est malfamé. Ça donne une autre image. J'ai appelé ça centre d'hébergement municipal. Mais c'est vous qui étiez le maire quand on le fait comme un financier, alors. Oui. Ben voilà. En bon, fait, nous ne sommes. J'ai également obtenu 40 millions pour clôturer. Parce que les chèvres, les moutons, les ânes, les chevaux du Lamido allaient tondre l'herbe là-bas. Donc, si vous voyez, hein, à la fin, vous venez. Après ce que l'actuel maire vous a dit, vous venez, moi aussi j'ajoute un peu, que je ne ravisse pas la vedette au nouveau maire. Non, vous n'allez pas le faire. Non, non, vous savez la politique. Voilà, je m'appelle Hadji Ibrahima, nouveau maire de la commune de Bagno depuis octobre 2013. D'accord. Et donc, dites-nous un peu aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Quelle est votre activité à la mairie de Bagno aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est la journée de propreté dans le cadre de l'hygiène et salubrité. Alors, nous avons très tôt fait le tour de la ville. On a procédé au ramassage des ordures avec le camion de la commune qui vient d'être remis en état. Après, nous avons procédé, comme je disais aux ouvriers tout à l'heure, à tout le personnel. J'ai dit que le bureau aujourd'hui, c'est pas avant 10h. Donc, de 7h30 à 10h, c'est le nettoyage de l'esplanade de la commune. Comme c'est le cas, vous venez de voir, ils viennent à peine de quitter le. On a procédé, on a désherbé, on a ramassé. Et voilà, et le bureau a commencé. Donc, la journée de la propriété est assurée. Compte de la journée d'aujourd'hui. D'accord. Et donc, le FECOM, parlez-nous un peu du FECOM et de ses réalisations ici à la mairie. Oh là là, bien. Je ne pourrais pas parler du FECOM de manière satisfaisante, dans la mesure où je suis nouveau. Je ne sais pas tout ce que le FECOM a fait avant mon arrivée. Mais tout ce que je constate, vous avez cet immeuble. Vous voyez, ça c'est l'œuvre du FECOM. Vous voyez cette clôture. La clôture, c'est l'œuvre du FECOM, pour ne citer que ça. Et le FECOM est en train de nous appuyer pour acquérir une voiture de une pick-up de liaison. La procédure est en cours. La Camille Toyota de Bafoussam s'est présentée ce matin, a rempli les formalités. Et bientôt, ça va aboutir et nous allons aller chercher la voiture. Ça, c'est le FECOM. D'accord. Donc maintenant, pour la suite de vos activités, on va vous suivre. Hein? Donc, dites-nous ce que nous allons faire. Bon, je disais que maintenant, je vais... parce que ce matin, nous avons un chantier en cours. C'est-à-dire la remise en état d'une route abandonnée, dit-on, depuis 12 ans. Bon, on est en train de la remettre en état. Je vais aller au chantier, voir où ils en sont. Ok, allons-y alors. Votre ancien directeur Ondondon, c'était un collègue. Il a été un collègue là. On a travaillé ensemble au ministère du Travail avant qu'il soit élevé à la très haute dignité de directeur général du FECOM. Bon. Je t'avais amené chez Ondondon. C'est lui qui était maire avant moi. Je l'avais accompagné chez Ondondon qui avait promis de lui financer les choses. Malheureusement, les perviers a été autrement.
Bon, mes camis, hein, quand même, c'est beaucoup. Vous verrez. On a beaucoup fait. Je voulais aussi faire financer le marché. Si vous passez par le marché, j'étais sur un plan. D'abord, j'ai demandé au PNDP de me sortir un plan qui soit un joyau au centre de la ville. Et puis, si nous faisions le marché, qu'on essaye de voir comment spécialiser le marché. Parce que, je dirais, c'est un fourre-tout qui brûle, on vend le carburant à côté, on vend les denrées alimentaires à côté, les habits, les papiers et tout ça. Je voulais qu'on fasse un marché et qu'on spécialise, quitte à trouver pour certaines denrées-là des marchés périphériques, spécialisés des marchés. Le marché au centre-ville devrait commercialiser un certain nombre de choses spécialisées spécifiquement, ce qui ne pollue pas trop, ne salit pas trop, bon, et n'encombre pas trop. C'est très petit, un triangle là au centre-ville. Nous, je voulais une étude, si j'approuve, avec un devis estimatif, je pouvais voir le prix, voir aussi les possibilités de remboursement, mais ce qui m'a fait mal au cœur, le fait qu'on m'a refusé l'achat d'un engin. Ça, c'était un point noir. Je me dis ma capacité d'endettement, mon œil, j'allais rentabiliser. C'est parce que le Cameroun, le problème du Cameroun, les procédures deviennent des carcans. Des carcans. Si un maire a détourné, tous les maires sont des détourneurs. On a peur. Donc ça pose problème quand on dit qu'on a peur. Il y a des maires à qui vous pouvez faire confiance. Bon, il y a des maires qui n'ont pas fait leur preuve. Moi, en matière de gestion, j'ai été 9 ans DAG de la CNP, j'ai géré 47 milliards. J'étais au ministère de l'Information et de la Culture, où j'ai géré 27 milliards. J'étais directeur du Sénafop, où la Banque mondiale finançait 9 milliards, l'État du Cameroun 4 milliards, le BIT 6 milliards. Et me voici, que les pères viennent planer ici. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est voleur. Il y a des gens qui ont des ambitions pour leur cité. Il faut repérer ceux-là, les accompagner.